Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la progression du projet Zonacron Valiance. Et même si vous n'avez pas reçu le livre, les choses ont quand même bougé. Malheureusement, avec ce foutu Covid-19, il y a des ralentissements. Ça veut dire que je n'ai toujours pas eu l'autorisation de Paizo. J'ai eu aucun mail. Donc je ne peux toujours pas mettre cette foutue étiquette pour dire que c'est compatible avec Pathfinder. Bon! C'est pas grave, parce que j'ai quand même quelques bonnes nouvelles. On a la couverture externe, j'en ai profité pour faire encore une relecture, et j'ai éliminé, grâce aussi à ma maman qui relit, qui a dit « Non, je vais repasser dessus, c'est pas normal, j'ai fait deux pas, j'ai vu une faute. » Bref, je sais qu'il y en aura toujours, parce que quand on relit encore et encore, eh bien, on découvre quelques petits trucs, mais c'est vrai que malgré le fait qu'on était 5 dessus, après deux grosses relectures, eh bien, ça n'a pas été suffisant. Moi-même, j'y suis repassé, donc je suis quand même content d'avoir eu un peu plus de temps pour peaufiner le projet. Les fautes, c'est quand même hyper gênant, malgré tous les efforts qu'on fait. Et voilà, donc je suis quand même content pour ça, je me dis, j'essaie de me réconforter autant que je peux, parce que ben, j'ai eu quand même quelques mauvaises nouvelles pendant le mois d'avril, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais vous en parler tout de suite, mais avant, je vais quand même vous montrer la couverture que vous allez avoir, la voici, tranquille, je suis très content de ce qu'a fait Nicolas Fouquet. Surtout que bah, il est aussi débordé parce qu'à cause du problème de confinement, bah, le travail est beaucoup plus compliqué lorsqu'il doit avoir ses deux enfants. Bon, vous comprenez, hein, pour tous ceux qui ont une famille, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Hein, c'est toujours compliqué de travailler avec les enfants dans les pattes. Donc bah, il a fait, c'est cool, il a pris un peu de temps et il a réussi à faire la couverture. Maintenant, il reste une dernière chose, c'est l'illustration de mon personnage Ekmar, qui n'était pas au départ prévu, et puis ben maintenant, le voici qu'on attend. J'ai eu quand même une nouvelle version, c'est pas la version définitive, la voici, donc c'est quand même cool, ça avance, ça sera bientôt fini. Ça veut dire que là, pour le mois de mai, c'est quand même bien parti, parce que quoi? Parce que bah, j'étais en contact avec les imprimeurs, quoi. D'abord l'imprimeur Pixar Printing, j'étais parti là-dessus. C'est là où j'ai eu une mauvaise nouvelle. Alors, ils m'ont dit on n'y arrivera pas à faire la couverture interne, on risque de prendre un petit peu sur la carte, mais lorsque j'ai vu comment ça passe sur deux pages classiques et sur la couverture, je préfère quand même tenter ma chance sur la couverture. Alors vous allez me dire, oh là là, ça risque d'être peut-être être moche, ouais, c'est vrai, mais comme je vous ai dit, je ferai de toute façon des ventes de cartes à zéro pour la carte de la ville, avec les légendes, etc. Ça, c'est sûr. Ce ne sera pas tout de suite. Il va falloir que j'économise, etc. Peut-être que je ferai un financement participatif avec justement pas mal de choses en plus, avec le livre de le prochain livre aussi, on peut se dire, avec le prochain livre, et on pourra essayer de financer le prochain, mais je mettrai beaucoup plus de temps pour le sortir, parce que sinon je vais péter un câble. J'ai déjà, ma santé a déjà pris tellement cher ces derniers temps qu'il faut quand même que je survive à mes bouquins. Donc j'ai quand même parti là-dessus. Mais j'ai aussi découvert une autre imprimerie qui est sur Bordeaux. Donc je vais voir un peu avec eux s'ils en sont capables d'essayer de faire quelque chose de semblable. On ne sait jamais. Et puis c'est surtout qu'ils sont pas loin. Donc ça pourrait être quand même sympa de se dire bah tiens, bon voilà, l'imprimerie sera moins loin. Et c'est surtout aussi la mauvaise nouvelle que j'ai eue. C'est que le prix a vachement augmenté. En gros, ça a pris 1000 balles. Voilà. Ça a pris 1000 balles. Merci, Covid-19. C'est la merde. 1000 euros plus. Comment dire? Quoi, non, c'est plus. C'est même 1000, quasiment 1100. 1100 euros pour le bouquin. Et c'est 1100 euros, pas pour le bouquin de 144 pages au départ. Hein. C'est même par rapport au prix d'un livre de 192 pages. Donc j'ai eu une grosse sueur. Mais. Fort heureusement, j'avais prévu le coup. Quoi qu'il arrive, si j'ai l'autorisation de compatibilité de Paizo dès qu'elle arrive, vous êtes sûr que ça part en imprimerie.
peu importe où c'est, peu importe le prix. Ça arrivera, tout a été fait, je me suis mis d'accord, les documents sont faits, point, le truc, il s'en va, c'est tout. Mais il est vrai que si je peux trouver une solution pour économiser un peu plus pour les prochains livres, ce serait quand même bien. Parce que c'est ça, c'est que c'est 1000 euros de moins pour le prochain bouquin. C'est un peu dommage. Parce que bon, certes, je vais mettre en vente les autres livres comme j'ai promis. Je ne suis pas obligé de passer par Amazon parce que finalement je ne peux pas le faire, mais j'ai trouvé un autre distributeur où, si ça ne fonctionne pas, je peux le faire moi-même. Il n'y a pas de problème, maintenant c'est sûr. Tout est prêt. Voilà. Donc, dans tout ça reste quand même des bonnes nouvelles. Ça veut dire que quasiment tout est prêt. Je travaille un petit peu tous les jours, etc., en me reposant. Mais potentiellement, si je dois donner un coup de collier en une journée, tout est fini, quoi. Voilà, tout est fini. Ah, bon, il y a quand même la relecture encore avec les fautes, mais ça avance très vite quand même. Donc, avant que j'aie la réponse, je pense que ça ira quand même. Donc, il y a quand même du bon. Je suis juste désolé que c'est pas arrivé ce mois-ci. Je me doute bien que vous auriez largement préféré à ce que ce soit entre vos mains, là, maintenant, moi aussi. J'ai recontacté Paizo aujourd'hui, je les avais déjà recontactés déjà plusieurs fois en espérant qu'ils me répondent. Bon, bah touchons du bois. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont aidé. Pendant la vidéo de mois de mars, je n'ai pas dit quelque chose de très important. Je remercie Neuneu qui est revenu vers moi pour son personnage. Et qui m'a permis de remarquer qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas été intégrés, alors que vous m'aviez contacté et tout ça. Et c'est grâce à lui que j'ai pu compléter correctement le livre. Bah oui, vous allez me dire, bah oui, quand t'as la tête sous l'eau, t'oublies plein de trucs. Bah ouais, mais c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça. J'espère qu'il va bien et que bah, il sera content d'avoir le livre entre ses mains. Voilà. J'arrête mon blablabla, ça m'a fait du bien de vous parler, j'espère que vous allez bien pendant cette période vraiment compliquée, et je vous dis prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour ceux qui passent sur les streams, et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère, en plein milieu du mois de mai, hein, pas à la fin de mai, allez, on y croit, allez, ciao ciao!